Juifs de France, réveillez-vous. Lorsqu'on entend le Premier ministre israélien dire que le bombardement à Rafah est un incident, Juifs de France, vous voyez ce qui est en train de se passer. Et vous ne pouvez pas rester insensible à ça. Beaucoup de Juifs sont en total désaccord avec le gouvernement de Netanyahou. Cet homme qui est de plus en plus seul dans sa folie. Juifs de France, on ne vous demande pas d'être pro-palestinien, mais de dénoncer ce qui est en train de se passer et ne plus rester dans le silence. Et rien ne vous empêche de manifester pour la paix et arrêter ce massacre. Israël est de plus en plus seul à cause d'un gouvernement d'extrémistes, dangereux, et il est temps d'agir. Oui, vous, Juifs de France, vous pouvez manifester votre mécontentement de ce gouvernement génocidaire. Je sais très bien que la solidarité entre Juifs est forte et que si demain vous manifestez pour que tout cela cesse, il est possible que le gouvernement israélien cède à votre demande. La France est divisée par ce conflit et je vous le jure que si les Juifs de France se réveillent, je pense qu'on pourra encore être tous unis et de nouveau vivre ensemble.